Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Voilà, tant mieux. Je voudrais. J'en ai plus là. C'est pas grave, j'en ai qu'un. Allez, on va voir ça. Les petits messages que je peux te faire passer. Attends, parce que je m'allume dans ça. Hop là. Attendez. Il faudrait vraiment que je range, j'ai trop de trucs. Bon, allez, on va. Bon, ça, il va falloir que je jette, c'est vide. Allez, on y va. Bon, alors là, je t'explique. Donc, je t'explique. Alors, tu as plusieurs. Je t'explique. Mais bon, peu importe. Hein. Alors, par exemple, on parle de rencontres. D'accord, de double jeu, échec et mat. Mais attention, je t'explique. On parle de rencontre. Alors, attention. Rencontre, allez. Tu rencontres. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une rencontre. Allez, un homme, une femme. J'ai une chanson comme ça. Bon, allez, bon. Alors, vous vous rencontrez, d'accord. Alors, soit il y en a, ils se sont rencontrés, et je t'explique. Tu as ce truc, attention à l'autre, pas à l'autre. Je t'explique. Tu as deux cas. Alors, tu as plusieurs cas. Alors, je t'explique. Tu as, par exemple, parce que tout le monde, je veux dire, a eu souvent, enfin, on a eu tous des amoureux, des amoureuses. Ah bon, tout le monde a eu des amoureux et des amoureuses. Bon. Et, bon, alors, tu te rencontres, machin, bidija, pachachi, pada boum boum boum, et à un moment donné, pas toujours, heureusement. Tu en as un des deux qui est double gueule, tu vois, qui est double face, tu vois, voilà, qui c'est le jeu d'échecs et mat, là, voilà, qui joue avec l'autre, qui est pas honnête avec l'autre, voilà, et du coup, ben, ça fait quoi, boum, 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 échec et mat, ok, bref, et il y en a un qui tombe, voilà. Tu comprends, ben ouais, parce qu'il y en a toujours un des deux qui tombe. Dans le jeu pervers, manipulateur ou manipulatrice avec l'autre. Bah, je t'explique. Tu as compris ou le coup, tu n'as pas compris le coup. Bah. Parce qu'ils manipulent les gens, ils s'en servent, tu vois, c'est des pieux. Toi, je te mets là, toi là, bon. Bon. Et que, bien sûr, bah, ouais, ça tourne dans la merde, tu vois. Bon. Merde, fiasco, machin. Et celui qui tombe, bah, après il essaye. C'est pas facile, hein, quand double jeu, échec, manipulation, ah, t'es traîtrise, t'es un traître ou une traître, tu vois. Bon. Alors après, il faut arriver aussi à se relever après ça. Et alors imagine. Mieux machin, et tu rencontres quelqu'un d'autre, ben oui, pas forcément, parce que bien sûr, quand on t'a pris pour un con, bon, hein, forcément, bon, alors ça prend du temps, hein, parce que ouais, c'est pas comme ça, hein. Bon, il y en a, ils souffrent vraiment, puis il y en a, ils sont pas sincères aussi, mais il y en a, oui, bon.
Alors, ceux qui ont souffert, après, au fur et à mesure, ils se soignent, bon, ils se relèvent, et puis, boum, un jour, ils te retombent, quelqu'un, tu vois, quelqu'un, bon, ben, qui te fait, qui te dit, putain, ah, putain, ça n'a plus rien à voir, hein, franchement, ah, putain, rien à voir, hein, rien à voir avec l'autre personne, tu vois. Là, tu te dis, oh, putain, franchement, je me verrais bien, je me verrais bien, franchement, vivre avec la personne. Ouais, franchement, je me verrais bien avec lui ou elle. Je me verrais bien, je me verrais bien. Je me verrais bien après ce que j'ai vécu, je me vois bien avec lui ou elle. On est d'accord? Bon. Mais attention, n'oublie pas l'autre derrière. Qui n'aime pas. Ah non, parce qu'en général, en plus, ils sont vachement culottés. Hein. Ah oui, non, parce que ces hommes et ces femmes, ils sont très culottés. Oui, ils manipulent, tu vois. C'est-à-dire que malgré que tu les défonces, tu les bousilles, toi, quand tu te relèves et que tu rencontres quelqu'un, ils sont là. Ou ils traînent dans les parages, ou ils reviennent, tu vois. Et bien sûr, ils veulent te foutre en l'air ta nouvelle rencontre. Ah bah oui. Ah bah qu'est-ce que tu crois? Ah non, mais oui, non, mais je te le dis. Hein. Donc en gros, non seulement on te prend pour une con, on te détruit, d'accord? Tu as du mal à te relever après ça. Et en plus, ça traîne dans les parages. Et en plus, on ne va pas te lâcher la grappe, tu vois. Ah bah oui. Et que ce genre de personne va essayer de trouver des solutions, d'accord, des solutions pour ou récupérer la personne ou encore re-essayer de le allez on remet une sauce, allez encore, tu vois, vraiment c'est vraiment ce genre d'homme et de femme très dangereux ou très dangereuse ou franchement. C'est le genre de personnes qui ne supportent pas que, par exemple, certains hommes et femmes veulent aller tout simplement sur autre chose. C'est-à-dire, ils ne supportent pas, par exemple, que l'homme et la femme vivent ensemble. Ils ne supportent pas que ça parte ailleurs. Voilà. Ils ne supportent pas. Donc, en gros, il faudrait rester comme ça. Voilà. En gros, ces hommes et ces femmes n'ont pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. N'ont pas le droit de, si tu veux, n'ont pas le droit. N'ont pas le droit d'être réellement aimés. N'ont pas le droit d'avoir une nouvelle famille. Non, non, ils n'ont pas le droit. Non, non, non. Non, non. Clairement, non, 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 non. Non, ils n'ont pas le droit. C'est ce truc où ils n'ont pas le droit. Et en plus, on parle vraiment échec. Homme, femme, très dangereux. En plus, la famille, c'est la famille en général est dans le coup. Ah oui. Ah non, mais je te le dis. Toute la famille de la personne est dans le coup. Et essaye tous les moyens possibles et imaginables de trouver des solutions, tu vois, pour pas que ces hommes et ces femmes vivent l'amour ou une nouvelle rencontre ou alors ils ont quelqu'un. Mais c'est toute la brochette. Hein. Ah non, mais là, c'est toute la brochette du mec ou de la femme qui t'a pris pour un con. Alors là, c'est vraiment, vraiment toute la brochette. Ah, c'est toute la brochette. Hein. C'est toute la branche d'un côté. C'est comme s'il fallait couper l'arbre, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais là c'est en gros, il faut couper l'arbre, quoi, tu vois. Ah oui, mais là. Mais là, tu vois, si tu es face à ça, tu n'as pas 50 000 solutions. Hein. Ah non, mais tu n'as pas 50 000 solutions, là. Là, c'est le truc où tu es obligé de les fracasser, eux. Hein. Tu es obligé de les démonter, eux.
comme eux, ils t'ont démonté, quoi, en fait. Je te le dis, tu es obligé de les démonter, de les péter, de les fracasser, des gens comme ça. Ah ouais, tu es obligé de les démolir, quoi. Ma parole, tu es obligé de les péter. En gros, il faut couper là, là, paf! Et même, à la limite, il faut être aussi pourri qu'eux. Là, tu n'as pas le choix, hein. T'as pas le choix, hein. Face à de la vermine et de la racaille comme ça, là. Ah putain, mais tu n'as pas le choix, hein. C'est vraiment... Ah! Moi, je te le dis, hein, tu n'as pas le choix, hein. C'est ce truc, wow. Laisse tomber. Chez l'homme, enfin, en tout cas, homme ou femme, tu vois. Enfin, il y a des hommes et il y a des femmes. Et tu n'as pas le choix, hein. Tu n'as pas le choix, hein. Ah, tiens. Ça m'étonnait aussi. Que l'argent soit pas mêlé à tout ça. En général, hein. Et que, franchement, c'est une horreur, quoi. Hein. Ce genre de d'hommes, de femmes, en plus, la famille est mêlée à tout ça, tu vois. Ils se mêlent de ça. C'est l'horreur, hein. C'est vraiment une horreur. Une horreur, hein. Puis c'est toujours l'argent, l'argent. Il y en a, ils ont que ça à la bouche, hein, que le fric... Le fric, et encore le fric, toujours le fric, et le pognon, voilà, ils voient que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, tu vois, donc, c'est, je sais pas, c'est vraiment une horreur, hein. C'est, bon. Après, concernant ce jeu démoniaque qu'ils font, il y a quand même une progression, hein. Donc, de chaque côté, il progresse. Que ça soit l'homme, homme, femme, pourri et toute la famille là qui, hop, dans le même sac. Et la partie adverse, peu chère, qui essaye de s'en sortir, tout le monde progresse. Ah, oui, tout le monde progresse. Qui va gagner? Mais tout le monde progresse. Hein, ça, c'est sûr. Tout le monde progresse. Tout le monde évolue, ah, tout le monde évolue. Ah oui, tout le monde évolue, ah. Ah ouais, ça évolue. Je te garantis que ça évolue. Alors attention, ah, parce qu'ils sont pervers. Ah, ils sont dans la perversion. Ah, attention, il y a ce truc. Oh, attends. Je me sens arrivé comme un... Alors, c'est ce truc où... attends, l'ambiance. Où ça va... Il y a ce truc qui va dire... tu risques d'entendre certaines choses ou ce truc où tu vas entendre certains trucs du genre ah tu sais en derrière ton dos en, ah, tu sais pas hein, que derrière ton dos, hein, mais c'est faux. Ah, tu sais pas que derrière ton dos, hein, il t'a trompé, il t'a trahi. Mais c'est faux. C'est la personne démoniaque qui veut te faire penser hein, qu'on t'a trahi et qu'on t'a trompé. Oui, oui, je te le dis. Ben oui, parce que la personne, il voit un intérêt de te faire penser ça. Est-ce que tu comprends le jeu de ces esprits tordus? Oui, non, parce que je t'explique. Il y a, tu vas, je sais pas comment, hein, comment tout ça, ça va venir. Mais moi, je te le dis que tu vas entendre le genre de truc. Hein? Mais qu'est-ce que tu crois? Mel, assis-toi, faut que je te parle. Tu vas passer la journée dans le noir. Même je le sens, il te trompe. Nanana, nanana, nanana. Il se fout de toi. Il t'a trahi, il t'a trompé. Voilà. Réfléchis. Pourquoi tu entendrais ce truc? Ah, il t'a trompé, il t'a trahi. Pourquoi on viendrait te dire ça?
quoi, tu entendrais ce truc. Hein, mais moi, je te dis, hein, il t'a trompé, il t'a trahi, hein, c'est pas ce que tu crois. Alors, pose-toi la question, pourquoi on te dit ça? Vas-y, réfléchis. Pourquoi? Ben, réfléchis. Pourquoi, par exemple, un homme, une femme, parce que toi, t'es pas là. Toi, t'as pas de preuve que lui ou elle le fait. Donc, toi, tu peux pas voir. Bah ouais, tu peux pas voir. Alors, on va vouloir te faire croire que il y a un homme ou une femme qui te poignarde dans le dos. Mais pourquoi? Pour te faire douter, pour te faire peur, pour te faire travailler le mental, tu vois. Putain. Il n'est pas sérieux, elle n'est pas sérieuse. Lui ou elle me trompe, tu vois. C'est le jeu de la perversion mentale de certains hommes ou femmes, tu vois. Qui te veut te faire croire que par A plus B... Derrière ton dos, vas-y. Tiens. Mais est-ce que tu as la preuve que on te trompe? Non. Est-ce que tu l'as vu lui ou elle te tromper? Non. Est-ce que oui ou non? Non. Sauf si, attention, il y a des preuves que cette personne, tu vas entendre des trucs. Admettons, là, tu peux dire, bon, ben, vas-y, montre-moi, ben, je veux le voir, je veux le voir de mes yeux. Mais ben, je veux voir de mes yeux que lui ou elle, derrière mon dos, me plante. Ben, je veux le voir, ok, ben, montre-moi, vas-y, j'attends. Vas-y, puisque on me dit que... en gros, derrière mon dos, je suis trompé, trahi, que j'ai les cornes jusqu'à 3000 km. Bon, eh ben, puisque on me dit ça, ben, je veux le voir. Et toi, tu peux pas voir. Mais on va te laisser planer ce truc, tu vois. Alors, tu te retournes et tu dis à la personne, ah bon? Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, il est pas fidèle, lui ou elle. Bon, ok, ben, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas vu. Donc, je peux dire à la personne, ah ouais, bon ben, en gros, ben, faut me prouver que oui. Tu vois, en fait, non, parce que ça, c'est le jeu du truc où, bon, échec et mat, genre où on veut te manipuler pour te faire croire qu'on te trompe et qu'on te trahit. Bon, ben, c'est simple. Ben, que cette personne te prouve par A plus B que c'est vrai. Ben oui. Parce que toi, tu vois pas. Ah ouais, on te le dit, mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Tu sais pas. Bon, eh ben, la personne qui prétend par exemple cela, ben, que lui ou elle te le prouve. Pourquoi on ne te le prouve pas? Pour le prouver. Ok. Par exemple, si on te dit bon ben c'est fini pour toi parce que tu comprends patati patata. Ah ouais? Ben, montre-moi par exemple que tu es avec telle personne. Ben vas-y, montre-le-moi. Tu te retournes, tu dis ah ouais, vous êtes ensemble? Bon, eh ben, je veux le voir. Moi, je veux voir par A plus B que vraiment vous êtes ensemble. Montre-moi. Que vraiment vous êtes en couple, ok. Je peux te dire aussi, ah ouais, oh, mais tu sais, on est en train tous les deux de régler des choses ensemble, etc. Hein? Bah, dis à la personne, ah bon, eh ben montre-moi, moi je veux le voir de mes yeux, vas-y, montre-moi, tu vois, bah, demande des preuves.
Ah oui, il faut des preuves. Ah oui, c'est pourtant quand même les preuves. Non, parce que c'est bien beau, tu vois, de te dire plein de choses. Mais bon, encore faut-il que ça soit vrai. Encore faut-il que, enfin, qu'il y ait des preuves. Non, parce que sans preuves, bon, on peut dire ce qu'on veut, hein. Dans le dos de quelqu'un d'autre. On peut faire croire ce qu'on veut, hein. Dans le dos de quelqu'un d'autre. Qui n'est pas là pour voir, hein, évidemment. En plus, on peut dire ce qu'on veut sur un homme, une femme. Qu'il n'est pas fidèle, qu'il est dans la tromperie, qu'il est dans la trahison. Parce que lui, il n'est pas là pour... il n'est pas là pour te... Il ne va pas pouvoir dire... Ah ouais, c'est vrai, hein, franchement, je ne suis pas fidèle. Je ne suis pas fidèle. Je te trompe derrière le dos. Et je te trahis. Et je joue... je te manipule et tout, tu vois. Mais il faut des preuves. Montrer. Si réellement, il y a des preuves, ok. Il faut montrer les preuves. Ah oui, ah oui, ah ben, c'est bien beau, hein. Il faut des preuves. Donc tu peux te tourner et dire à cette personne, ben vas-y, montre-moi. Moi, je veux voir. Moi, je veux le voir de mes yeux. Alors, attends. Alors là, on risque de te dire, ouais, mais bon, tu sais, on... Mais ouais, mais bon, tu sais, on... par rapport à toi, tout ça... Ça risque d'être un peu gênant, non, si tu vois tout ça. Bah, tu dis, non. Ah ouais, bon. Ah bon. Et pourquoi ça serait gênant? Au moins, voilà, hein, j'en ai la preuve. Je vois qu'il me trompe, je vois qu'il me trahit. C'est bon. Tu vois. Bah, à ma foi, tant qu'à faire, non. Puis on est de fous, puis on rigole, non. Comme ça, si c'est vrai, tu lui plantes des couteaux dans la tête, et puis c'est bon. Tu vois. Ok. Alors, on risque de te dire aussi que... ah ouais, mais tu sais, c'est pas encore. Hein, on a encore des détails à régler, tout ça. C'est pas encore tout fait. Ah, bon, d'accord. Mais bon, non, mais vas-y, c'est pas grave. Mais au moins, je le verrai par mes yeux, tu vois. Et là, on risque de te dire... Ouais, mais bon, tu comprends. Après, ça risque de te faire mal, non? Non, parce que quand même, de le voir de tes yeux, bah, tu dis, ah non, pourquoi? Mais non, pourquoi? Pourquoi? Au moins, on est fixé. Je vois, il n'est pas fidèle, voilà, machin, et puis il n'y a pas de souci. Tu vois? Tu comprends? Voilà. Et bon, c'est ce truc où on va vouloir te... Jouer avec toi, te manipuler, etc. Tu vois. Le problème, c'est que à chaque fois que toi, tu vas dire à la personne, eh ben vas-y, ben, moi, pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. À chaque fois que tu vas dire, par exemple, à la personne, bon, ben écoute, viens, on fait ça, comme ça, moi. Ben, cette personne va te trouver. Des raisons, tu vois, ben pour pas que tu voyes. Alors déjà, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi? C'est pas normal, parce que si vraiment c'est vrai, qu'est-ce que ça peut lui foutre à elle ou à lui que tu voyes? Pourquoi à chaque fois on va te dire, ah ouais, mais non, tu comprends, parce que si, parce que ça, ben c'est pas normal. C'est que en réalité, on te manipule. C'est tout. Parce qu'à chaque fois que tu vas dire, ah oui, ben écoute, on fait ci, comme ça, ben moi je le vois de mes yeux, on va te dire, ah oui, mais non, parce que tu comprends. On va toujours te dire un truc. Tu vois? Ma parole, à chaque fois, on te trouvera un truc pour... Ah ouais, mais non, quand même, ça va être dur, non, pour toi. Mais pourquoi? Au moins, tu es fixé. Un face-à-face, machin, bidule. Mais à chaque fois qu'à la personne, tu vas dire, faire une proposition, ben, pour le voir de tes yeux, on va te trouver un truc pour pas que... Alors, mais alors, pourquoi? Pourquoi tu peux pas voir? Il y a quoi? C'est quoi le problème? C'est pas normal. Tu vois? Ben, moi, je pense, hein.
Et que c'est ce truc où on essaye de te faire penser que... Ah putain, c'est dingue. Ce truc où on veut te faire penser que, en gros... Ah, attends. Ouais, concrètement, hein, que en gros, ouais, on te trahit, on te trompe pour une autre personne, tu vois. Attends. En plus, ils réfléchissent beaucoup. Oh putain, je sais pas. Ils réfléchissent à comment te faire penser que lui ou elle te trompe derrière ton dos. Je pense même qu'ils aimeraient limite que... Écoute bien, sans preuve. Hein. Ah oui, non, mais sans preuve concrète. Hein. Concrète que il ou elle te trompe. Que tu te retournes plus contre lui ou elle. Ah oui, sans preuve. Hein. Ah ben oui, évidemment, sans preuve. Que en gros, tu te retournes contre lui ou elle et que tu lui dis, allez, c'est bon, moi, on est venu me dire que tu me trompais derrière mon dos, voilà, etc. On va vouloir te faire ruminer, te faire travailler l'esprit jusqu'à ce que tu dises à la personne, allez, c'est bon, j'ai compris, tu as quelqu'un d'autre et patati. L'esprit pervers de cet homme ou de cette femme. Ma parole. Franchement, c'est des hommes et des femmes qui sont malades. C'est des malades. C'est des malades. Ah, ma parole, je te jure que c'est des malades, ces gens. Franchement, je sais pas, moi je pense que c'est grave. C'est des malades. Ils sont malades. Oh ma parole, ils sont malades. Ah oui, non, mais je te le dis. Hein. Mais le problème, c'est que toi, tu as ce truc, comment te dire? Ou toi, par exemple, vis-à-vis de cet esprit assez dérangé, tu vois? Toi, vis-à-vis par rapport à cet esprit assez dérangé, c'est que toi, tu... je sais pas comment t'expliquer. Toi, par rapport à cet esprit assez dérangé, toi, tu as ce truc où t'as pas besoin de réfléchir 50 ans. Non, toi. Non, non. Toi, t'as pas besoin. Eux, ils réfléchissent. Et tu vois, ils réfléchissent. Comment ils vont faire? Mais toi, tu n'as pas besoin de réfléchir 50 ans, tu vois, pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, tu vois. Tu sais direct si c'est vrai ou pas. Tu sais direct si lui ou elle te ment. Tu sais direct aussi si la personne que tu as derrière toi est un gros taré ou une grosse folle. Tu sais aussi qui est qui cette personne. Je ne rigole pas. Tu sais exactement qui est la personne. Et tu le sais. Ma parole, tu sais qui c'est, l'homme ou la femme. Tu le sais. Toi, je te vois même pas inquiète. Oh putain. Toi, tu es tranquille, zen, calme. C'est lui ou elle qui arrête pas de gamberger. Et en plus, sa famille, c'est la même... Allez, ils sont tous de la même académie. D'accord. Et le problème, c'est que toi, tu sais qui c'est. D'accord. Tu le sais. Tu sais qui est qui. Tu sais qui c'est. Tu sais d'où vient le coup porté derrière toi. Tu sais qui c'est. Moi, je te le dis. Toi, vis-à-vis de ça, en plus, tu n'as même pas besoin de forcer pour comprendre tout ça. Toi, de suite, tac, 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 tac. Eux, ils réfléchissent. Je sais pas combien de temps, alors on va faire ça, et on va faire ça, et ça, on va le faire. Toi, de suite. Ma parole, c'est comme tic-tac-tac, un éclou d'œuf. Mais alors, eux, c'est pas du tout le cas, tu vois. Bon. Ok. Ah non, je te le dis. Hein. Moi, je te le dis.
Et puis toi, c'est des choses qui te viennent comme ça, naturellement. Tu réfléchis pas, toi, de suite. Bon, alors, c'est telle personne qui me fait ça. Tu sais qui c'est, ok? Alors, si lui ou elle me fait ça, ben, c'est pour telle ou telle raison, ok? Pour qu'en réalité, je me retourne contre la personne de mon cœur, hein, voilà, comme ça, hop, 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 allez, vas-y, on la dégage, lui ou elle. Ah ben ouais. Mais toi, il y a tout qui te vient, tac, 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 du tac au tac, tu vois? Bon, on est d'accord, bon. Et là, je dirais, à un moment donné, ils vont se dire, putain, oh là là, ils vont se dire, là, ça craint quand même, hein. Ça pue la merde, hein. Ah, ça pue la merde, hein. Parce que si elle sait, si elle sait qui on est, si elle sait qui on est, et d'où le coup vient, ça pue. Ah, ça pue quand même la merde, hein. Ah oui, non, parce que toi, dans l'histoire, tu es la victime, hein, que tu sois un homme ou une femme. Non, parce que toi, tu n'as rien demandé, hein. C'est eux qui s'en prennent à toi et qui s'attaquent à toi derrière ton dos. Toi, tu n'es même pas censé savoir qui est cette personne. Mais tu le sais. Ah oui, tu le sais. Eux ne pensaient pas que toi, tu serais capable de savoir sûrement qui c'était. Mais ma parole, tu sais qui est l'homme ou la femme qui se cache derrière tout ça. Ah, ma parole, tu le sais. Tu sais qui c'est. Ok. Et là, c'est vrai que ça craint pour la personne. Je dois t'avouer que ça craint quand même pour la personne. Ah oui, ça craint. Ça craint. Mais toi, tu t'en fous. Mais tu sais qui c'est qui. Tu sais que qui c'est, que c'est qui, fait quoi, que kaki. Que kaki, kakiko. Ah oui, coquelico. Ok. Donc là, c'est quand même risqué pour la personne. Je dois t'avouer parce que tu sais qui c'est. Tu vois. Alors là, bon, cette personne et même la famille, là, risque de se dire, putain, ça sent la merde quand même, je t'avoue pour nous. Hein. Parce que bon, ça peut se retourner quand même contre nous, là. Hein. C'est le jeu d'échecs, ok, mais ça pue la merde quand même de notre côté. Parce que si lui ou elle sait d'où vient le coup, bon... Je dois t'avouer, c'est un peu la merde. Moi, je trouve, hein, c'est un peu la merde quand même. Hein. Bon. Et que, bon, moi, je pense que de toute façon, ça pue. Hein. Je dois t'avouer que ça pue. Hein. C'est quand même un terrain miné. Ça risque d'exploser. Hein. Je t'avoue que ça risque tout... Ah putain, ça risque de tout exploser. Parce qu'en plus, en vue de ce qu'ils ont fait, par exemple, à toi et à cet homme ou cette femme, je pense que tout risque de leur péter dans la gueule. Tôt ou tard. Ouais, tôt ou tard. Hein, et eux, par rapport à plus B du prototype, du processus, de tout ce qu'ils ont fait, par rapport à une telle trahison, bien sûr, dans le dos, il risque de se retrouver dans une forte instabilité, hein, due à ce qu'ils ont fait. Non seulement à toi, ou à l'homme ou la femme de ta vie. Tu vois, donc, ça pue la merde. Et ça, ils le savent. Hein. Alors, bon, ça pue la merde. Hein. Je dois t'avouer que ça pue. Et moi, je sais pas. Je pense que tout ça va éclater. Hein. Po, po, po. Hein. Ah, ça va éclater. Ma parole, ça va éclater. Alors, bon, moi, ils auront beau essayer de trouver, par exemple, des solutions, tu vois, pour essayer de s'en sortir, de renverser après la situation, d'essayer de récupérer le fiasco qu'ils ont fait,
Après ça, je crois que ça va être très dur. Même toi, quand. Parce que moi, pour moi, franchement, je sais pas si après ça. Je pense pas qu'après un tel truc, tu puisses passer au-dessus de tout ça, tu vois. Ça va, je pense pas. Je pense pas quand même. Et là, après, ils vont se dire, oh putain, c'est la merde. Moi, j'ai un doute quand même. Hein, parce que franchement, c'est chaud. Hein, c'est chaud. Hein, même si après, ils essayent, je sais pas. De trouver des raisons parce que ils ont fait ci, on a fait ça parce que tu comprends que si, que là, vas-y, comment ils vont se justifier par rapport à toi, puis par rapport à ce qu'ils ont fait à la personne, etc. Manipulation, machin. Vas-y, mais vas-y, te sortir d'une telle merde après. C'est chaud, hein. Après, bon, ils peuvent réfléchir le pourquoi et comment on va faire maintenant, mais bon. C'est avant qu'il fallait y penser, hein. C'est pas après, hein. Moi, franchement, par rapport à tout ça, une telle manipulation, une telle tromperie, je pense que ça va être dur, hein. C'est après, hein. Bon. Moi, je doute, hein. Moi, franchement, sincèrement, je doute, hein. Que après, par exemple, toi en tant que femme, et puis même le monsieur, qu'on arrive, si tu veux, à passer au-dessus de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? À passer l'éponge, si tu veux, l'éponge par rapport à ce qu'ils ont fait. Tu vois? Moi, j'ai vraiment un doute que après ça, bon. J'ai un doute, hein, je t'avoue, j'ai quand même un doute, hein. J'ai un gros doute, hein. Moi, franchement, j'ai vraiment, en plus, j'ai, oh là là, j'ai une usure. Hein. Ah, puis moi franchement je pense pas que ça s'arrange. Hein. Non, j'ai un gros doute que après ça toi et la personne vraiment qui enfin, je pense que toi et la personne de ta vie, j'ai un gros doute que vous puissiez leur pardonner. Moi, après, hein, j'ai un gros doute qu'après une telle machination, vous puissiez passer au-dessus de tout ça. Parce qu'en plus, vous aurez plus confiance en ces gens. Tu vois, non, parce que. Hein, bon. Moi, franchement, je pense que vous n'aurez plus confiance. Moi, voilà, hein, concrètement, je pense que. Ça va être compliqué. Compliqué parce que vous vous direz toujours putain. Ouais, non, mais attends, on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Imagine, il recommence. Imagine, après, il recommence encore à essayer de nous la faire à l'envers ou essayer hein, essayer de nous la faire à l'envers. Ou encore essayer de jouer encore. Ouais, mais attention, tu sais pas. Hein, autant plus tard, il recommence. Ou elle recommence. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand il y a de telles manipulations, de telles tromperies, en général, quand ils ont un tel acharnement, en général, ils lâchent pas l'affaire, tu vois. Et même s'ils vont, ils diront. Mais non, ça va, c'est bon, on a compris, on fera rien ou on tentera plus rien. Ben t'es mon œil. Mon œil, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
c'est pas vrai, tu vois. Donc après, c'est compliqué de faire confiance à de telles personnes que tu as autour. Tu vois, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Tu vois? Et que pour être sûr que bah, il n'y a pas 50 solutions, hein. Ah non, il n'y a pas 50 solutions. Parce qu'il faut savoir que de telles personnes ne changeront pas. Ils auront toujours les mêmes opinions et ils voudront toujours faire la même chose. Okay? C'est ce truc où quoi qu'il se passe et qu'il se fasse, voilà, ils voudront toujours vous faire des problèmes, de toute façon. Donc, vous aurez beau, eux, ils auront beau dire, mais non, on le fera plus, on a compris, machin, le prototype du bidule. Toi, par exemple, parce que tu as l'homme et la femme. Mais je pense que la femme dira, non, 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 je suis désolé, hein. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Moi, après tout ce que vous m'avez fait, tout ce que vous avez fait derrière mon dos, hein, tout ce que vous m'avez fait subir, ben moi, je suis désolé, je peux pas. Parce que je n'ai plus confiance en vous. Comment tu veux arriver à dire à la personne, bon, ok, d'accord, tu m'as trahi, tu m'as trompé, tu m'as fait des trucs derrière mon dos. Bon, ok, allez, c'est bon. Allez, on passe l'éponge, tout ça, pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Mais tu auras toujours le doute. Tu n'auras pas confiance en ces gens, qui en plus n'auront pas changé d'état d'esprit par rapport à tout ça. C'est ça le pire. Et on te dira que on a compris. Mais non, non, ils n'auront pas compris. Ils n'auront pas compris. Et ils essayeront encore. Donc, et toi, tu le sauras. Donc, toi, tu le sauras. Tu le sais déjà. Putain, c'est même pas arrivé encore ce que je te dis. Que tu sais, tu sais. Donc comment tu veux, en tout état de cause, et en sachant déjà cela alors que c'est même pas arrivé, et en plus tu sais qui c'est. Comment? Comment? Explique-moi. Explique-moi. Comment tu pourrais... Parce qu'attends, là. Toi, tu sais qui c'est. Mais tu l'as pas encore vu, la personne. Tu sais pas. Mais tu sais qui c'est. Je pense qu'un jour, tu sauras réellement qui c'est. Bon. Et en plus, on te dira, on va te dire des tas de choses, et on te dira, ça dira que qu'on a fait ça parce que si, et qu'on a fait ça pour ça, et patati, et de la merde en boîte, tu vois. Et en plus, c'est ce truc où... Ils essaieront de oui, mais tu comprends, on a fait ça parce que si, on a. C'est bon. On ne fait pas ce genre de choses. Ok. Et je pense que de toute façon, il n'y aura plus de confiance. Comment tu veux faire confiance après tout ça? Tu peux pas. C'est pas possible. Et même, ils sont capables d'attendre, hein. Oh putain, attends. Oh, putain, tu les connais pas. Hein. Ils sont capables d'attendre longtemps, hein, longtemps, de laisser passer du temps, tu vois, pour que ça se calme, ça s'apaise. Et d'un coup, bing, allez, il recommence. Non, parce que c'est des gens qui ne lâcheront pas. Donc, en sachant ça, tu ne peux pas, tu peux pas, tu peux pas passer là-dessus. Parce que toi, tu sauras. Que, quoi qu'il arrive, ils seront toujours les mêmes. D'accord. Donc, face à ça, toi, tu diras à la personne de ton cœur, alors moi, écoute, hein, je t'explique que, voilà, que si, que ça, qu'il va se passer si, que ça, et qu'ils recommenceront. Quoi qu'il arrive, ils recommenceront. Parce que toi, tu le sauras bien avant, tu le sais déjà maintenant. Tu vois? Donc toi, tu mettras en garde contre tout ça.
tu vois. Ah ben oui. C'est pas le même... C'est pas les mêmes cerveaux. Voilà, vous n'avez pas du tout les mêmes cerveaux. Ça n'a rien à voir. C'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. D'accord? Que tu vois arriver, putain, je sais pas, peut-être 10 ans avant eux. Ok? Bon, avant bah même que ça leur vienne le projet dans la tête, tu le sais déjà. Alors imagine. Tu vois le délire. Voilà. Leur projet, tu les vois. Ma parole arrivée, je te jure. Allez, 10 ans avant. Qu'ils y passent. Ah non, mais je ne déconne pas. Donc, imagine. Imagine comme eux, ils ont un terrain, je ne sais pas combien de terrain de retard vis-à-vis de toi, tout ce que tu peux déjà savoir. Ils se prennent pour des grands penseurs, tu vois. Alors imagine. Imagine. Là, eux, ils en sont que aux prémices du truc. Mais putain, toi, tu prévois, je sais pas combien de temps avant eux, ce qui va arriver. Bon. D'accord. Bon, bon, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Alors, au niveau du coup porté par derrière le dos, mais que toi, bien entendu, tu sais qui c'est. Bon, je vois vraiment beaucoup de... ils vont avoir beaucoup de mal, si tu veux. Parce que, putain, quand vous allez vous retrouver... Parce que je pense qu'un jour, vous allez... où ce truc, quand, par exemple, tu vas... Non, parce que là, c'est vice, c'est truc caché, tu vois. Mais imagine, parce qu'on parle de la projection là. Là, c'est facile. Non, parce que c'est ce truc où on te le fait dans le dos. Dans le dos. Mais imagine le jour où le voile va être levé. Le voile levé. Et que par A plus B du prototype de je sais pas quoi, il va falloir arriver à assumer et à dire ah ouais c'était moi. Ouais c'était moi. T'imagines le truc? Non mais je te laisse. T'imagines? Non mais. Non parce que là. Mais imagine. Moi je te jure, hein, c'est ce truc. D'arriver à assumer, à te dire ouais, c'était moi. Ouais, c'était moi. Tu vois? Bon, bref. Donc, je te dis pas le truc. Hein? C'est chaud patate. Hein? À assumer après. Hein? Parce que tant que c'est par derrière, hein? Quand. Hein? Non, parce que. Clairement, hein? Non, parce que dans le dos, c'est facile. Non, c'est facile dans le dos. Mais quand vraiment tu te retrouves où il faut vraiment assumer les choses et les dire, bah après, c'est autre chose. Hein. Oui, c'est autre chose. Hein. Ah, parce que c'est sûr, hein, quand c'est, tu sais, quand c'est fait, ben ouais, tu sais que, tu sais comment te dire, tant que, ouais, il y a le doute. Mais toi, tu sais qui c'est, tu vois, tu sais qui est qui te fait ça dans le dos. Bon, mais là, c'est ce truc où on parle, alors attention, hein. De cette personne, il y a la famille et tout. Et ce truc où eux là
On parle des épreuves, des difficultés, le poids, le poids, le poids, le poids, le poids de ce, le poids de du truc où putain là en plus ils savent pas du tout comment tout ça va finir, tu vois. Non, parce que je t'explique, il y a tout ce qu'ils font de façon dissimulée et cachée, hein. Non, parce que là tu les vois pas. Ah ben non, tu les vois pas. Mais imagine qu'un jour tu saches qui sont ces personnes. C'est pas pareil. Non, parce que tant que c'est comme ça, sous un plateau, admettons, on se cache pour le faire. Mais ce truc où, ouais, ils ont leur bouclier, ils se cachent pour le faire, d'accord? Mais est-ce que le bouclier, il va tenir longtemps? Est-ce que c'est ce truc? Moi, je te dis que par A plus B du prototype, je suis convaincu que tu vas savoir qui c'est. Et que quand tu vas savoir qui c'est, et qui c'est qui a fait tout ça, là, ouais, ils pourront sortir leur bouclier de défense, en fait, tu vois. Là, ils peuvent en avoir besoin, parce qu'ils ne vont pas savoir du tout comment tu vas réagir. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tout ça éclate? Clairement. Ah ben. Ah ben oui. Parce que là, ils ne savent pas encore ce qui va réellement arriver. Ils ne savent pas. Tu vois, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui va vraiment arriver. Toi, tu sais. Toi, tu sais ce qui va arriver. Déjà. Mais eux, ils le savent pas. Toi, tu sais exactement qu'est-ce qui va arriver. Déjà. Je te le dis. À ma parole que toi, tu sais déjà tout ce qui va arriver. Toi, tu sais. Eux, ils savent pas. Mais toi, tu sais. Toi, tu sais aussi comment tu vas réagir quand tu vas savoir qui est qui. Tu sais exactement. Toi, tu sais déjà ta façon de réagir face à cette personne. Et en plus, il y a de la famille et tout. Toi, tu sais exactement ce que tu vas faire vis-à-vis de ces personnes. Tu sais. Tu sais exactement comment tu vas réagir face à ces gens qui t'ont fait autant de mal. Hein. Mais pas qu'à toi. Pas qu'à toi. Pas qu'à toi, parce que y a toi et ta chérie, par exemple. Donc, tous les deux, clairement, vous allez avoir, je pense, la même réaction face à ces gens. La même réaction face à ces gens. La même, tous les deux. Vous allez, c'est bizarre, avoir le même comportement sur ces gens. C'est rigolo. Ma parole, le même comportement que ces gens. Le même, tous les deux. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux personnes, face aux actions immondes de ces gens? Ah. Ah. La suite au prochain épisode. Vous pensez que ils vont se venger? Est-ce qu'ils vont se venger ou pas? J'aimerais savoir. La suite au prochain épisode. Action. Suspense. Enquête du soir. Je vous dirai peut-être à un autre épisode. On va faire planer le suspense.
s'ils vont se venger ou s'ils vont pas se venger. Comment ils vont réagir au prochain épisode, je vous le dis. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire face à ça? Lui et elle, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Ils vont rendre la monnaie de leur pièce. Ils vont leur faire la même chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire vis-à-vis de ces gens qui leur ont fait du mal à tous les deux? Ils vont faire quoi? Vous saurez la suite au prochain épisode. Suspense. Moi, je le vois. Suspense. Oh, punaise. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes réactions? Est-ce qu'ils vont réagir mieux que eux? Vont se réduire à leur bassesse ou pas? D'après vous, ils vont faire quoi, cet homme et cette femme? La suite. Enquête d'action. Au prochain épisode. Est-ce que le sang va couler? Ils vont les étrangler? Qu'est-ce qu'ils vont faire d'eux? Quel sera leur jugement à ces hommes et ces femmes et à des amis aux gars également qui sont mouillés dans ce complot? Que va-t-il leur arriver à tous ces gens? Chut, Blanquette Action, vous aurez la suite au prochain numéro. Ah ben en plus on me dit, attends, donne pas les réponses maintenant. Laisse planer tout ça, le tweet. On me le dit, hein. Attends, ne dis pas, laisse faire. Ne dis rien. Que va-t-il se passer? Vont-ils réussir ou pas? Vont-ils faire arriver à séparer deux personnes qui s'aiment ou pas? Ils m'ont dit juste. Dites pas le dire. Alors on ne dit pas. On laisse. Chut, il ne faut pas le dire. Mais non, il ne faut pas le dire. Il faut laisser encore mijoter. Chut. On m'a dit, il ne faut pas le dire. Alors on ne le dit pas encore. Il faut laisser encore mijoter. On m'a dit de pas le dire. Je dis pas. Écoutez, moi on m'a dit de pas le dire. Mais respirez, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de tension là. C'est une série à suspense, hein. Donc on m'a dit faites de la méditation, hein. Ceux qui sont dans l'inquiétude, méditez, hein. Méditez. Aérez-vous. Faites du yoga, hein. Attends. Moi je veux dire. On m'a dit de ne pas le dire même. Je ne peux pas le dire. Enquête d'action, quoi. Action vérité, hein. On me dit qu'il ne faut pas le dire. Oui, il ne faut pas le dire. Parce que sinon... ils vont s'en servir à mauvais escient contre toi et la personne de ton cœur. Donc, on me dit qu'il ne faut pas que je leur donne les clés. Les clés de la solution pour faire du mal. On me dit chut, de laisser faire. De les laisser faire. De les laisser regarder, de les laisser
faire leur jeu là de clairvoyance. Oui. De clairvoyance, de cartes, pour essayer de faire du mal. Donc, on me dit, chut, chut, laisse faire. Laisse-les. Laisse-les dans leur truc, là. Laisse-les. Dis de ne pas donner les réponses. On me dit, attends. Alors, je ne le dis pas. Mais moi, je sais. Mais on me dit bien que il ne faut rien dire. De les laisser faire. On me dit, chut, ne dis rien. Et en plus, je vais te dire autre chose. Mieux que ça. On te dit. Non, mais je préfère. On me dit de pas le dire. Donc, on me dit. Chut, laisse faire. Laisse. On me dit de pas le dire. C'est tout. Ok. Donc, je ne dis pas. On me demande de ne pas le dire. Donc, je ne peux pas vous dire. D'accord. Pour attendre. Je ne peux pas vous dire. Parce que si je vous dis, si je vous explique le parapluie du partenaire, donc moi, on me dit, laisse les faire. Que c'est ce truc où ils essayent, tu vois, d'avoir, si tu veux, d'arriver à prévoir les actions. Donc moi, on me dit de ne pas leur donner les clés, les actions. Moi, je te le dis, on me dit de ne pas leur donner. Voilà. Donc, silence. Laisse-les. Laisse-les faire. Laisse-les faire. Je te dis ce qu'on me dit. Hein. Je ne peux pas aller à contresens de ce qu'on me dit de faire. Ok. Je pense que c'est vrai que certains voudraient avoir des réponses par rapport à tout ça. Mais ça ne sera pas bon pour vous. D'accord, à la façon dont ces gens s'y prennent. D'accord. Donc si je vous dis comment ils s'y prennent, ça leur donne des avantages à ces gens. Donc moi, au niveau de mes guides, de ce que j'arrive à percevoir, moi je vous dis qu'on me dit chut. Je peux pas vous dire. Je suis désolé. Je peux pas. Parce que si je vous dis, en fait,
ces personnes mal intentionnées s'en serviront contre les gens bien intentionnés. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses que on me dit clairement qu'il ne faut pas que je dise. Donc, je ne peux pas aller à l'encontre de cela. Vous comprenez? J'espère que vous comprenez que je ne peux pas aller à contresens de ce que mes guides, au niveau de ce que je pressens et de ce que je vois, je ne peux pas. On me dit, ne le dis pas. Ok? Donc, je ne le dis pas. On laisse. Il faudra attendre. Donc, bon, je pense qu'on aura d'autres messages parce que vous savez, les choses évoluent. Bon. En tout cas, je ne peux pas vous dire pour le moment par rapport, si vous voulez, à ce que je vous ai dit là, de certaines personnes qui doivent vivre des choses pas trop faciles dans leur vie sentimentale en ce moment. Moi, on me dit clairement que au niveau de l'évolution de ce qui va se passer, moi, clairement, on me dit que il faut... Il faut rentrer dans le jeu de ces gens, en fait. Tu vois. Mais il faut pas trop en dire. Voilà, stop. Voilà, stop. Donc, voilà. Donc, je vous fais plein de bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.